Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir des machines étranges au design atypique que nous n'avons pas l'habitude de voir et qui pourtant sont une avancée dans leur domaine. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. C'est parti, découvrons ensemble les 5 machines les plus étranges du monde. On commence tout de suite cette vidéo avec une machine qui peut ressembler à une géante calèche complexe, mais qui est en réalité un moyen de haute technologie qui permet d'automatiser le processus délicat d'entraînement des chevaux de course. Car en effet, beaucoup de jeunes chevaux de course ne parviennent pas à se rendre sur la piste. L'objectif des créateurs du système CURT était d'essayer d'augmenter ce nombre et de rendre la piste plus accessible aux jeunes chevaux. Le système de pré-entraînement CURT prépare les jeunes poulains à la période d'entraînement et renforce leur système musculaire et squelettique. Les expériences menées chez CURT Systems ont montré que les jeunes poulains s'adaptent rapidement au système de pré-entraînement, qui est préparé en fonction de leur structure psychologique et anatomique, rien que ça. La technologie de rail permet à 10 chevaux de s'entraîner simultanément. Le système CURT permet de mesurer et d'enregistrer la physiologie de chaque cheval pendant l'exercice et s'adapte à leurs besoins. Le système CURT améliore la capacité athlétique, la vitesse, la force et l'endurance des jeunes chevaux, en minimisant surtout les blessures causées par l'exercice. Le système de monorail aérien pour emmener les chevaux sur la piste possède différentes vitesses, de la marche au galop. Des poids sont progressivement ajoutés aux selles des chevaux pour simuler le poids de l'homme. Des capteurs à fréquence cardiaque et de respiration peuvent également être attachés aux chevaux pour surveiller leur performance et leur état de fatigue. La machine est contrôlée depuis une cabine située derrière les chevaux et des caméras les surveillent de l'avant et de l'arrière. Le système CURT est conçu pour ni pousser ni tirer les chevaux et peut rapidement s'arrêter en cas de problème. Cette machine est non seulement grande et imposante, elle est également efficace et s'adapte aux chevaux sans problème. Le système CURT au design peu commode gagne largement sa place dans notre top des machines les plus étranges. On continue cette vidéo avec une machine qui permet de réaménager les voies pour éviter les embouteillages et autres problèmes de trafic. Le Rode Zipper Truck et son design imposant offrent un moyen plus intelligent, plus sûr et plus rapide de gérer les embouteillages et d'améliorer la façon dont les gens se déplacent sur les routes aujourd'hui. Cette solution rentable et réutilisable soulève des barrières et peut facilement reconfigurer les voies de circulation en temps réel, tout en maintenant une barrière de sécurité entre les voies. Le système Road Zipper permet de gérer la circulation sans investir massivement dans la construction de nouvelles voies et de nouveaux ponts. Le système Road Zipper est conçu pour gérer les voies et maximiser l'espace tout en créant une barrière de circulation positive pour offrir une solution sûre, stratégique et flexible. Le principal but étant d'améliorer la sécurité et d'augmenter le débit du trafic. De larges sections d'un mètre de barrière en béton hautement armée sont épinglées ensemble pour former une barrière continue. Les barrières sont soulevées et transférées par la Road Zipper via un système de convoyeur. La machine transfère la barrière jusqu'à 9 mètres en un seul passage sans endommager la route. Elle fonctionne à des vitesses allant jusqu'à 15 km à l'heure pour ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Le système Road Zipper est l'une des rares options pouvant offrir la flexibilité de configurer les voies pour la direction du trafic de pointe et les travaux d'entretien. Cela augmente non seulement la capacité de trafic, mais crée également une zone de travail sûre et ajustable pour une plus grande efficacité, ce qui en fait une bien meilleure option qu'une nouvelle construction. Il s'agit d'un système innovant aux allures insolites qui pourrait bientôt se répandre dans le monde.
Le réseau ferroviaire vieillissant de l'Europe pourrait être un problème pour certains pays, mais des constructeurs autrichiens ont conçu une machine de plus de 170 mètres de long pour 600 tonnes. Gigantesque, non ? Cette machine fabrique et remplace les voies ferrées automatiquement et permet aux ouvriers de gagner du temps et de l'énergie. Il s'agit de la machine RU-800S. Cette géante chaîne de montage mobile aux allures de géant est l'une des plus longues machines au monde. Elle est complexe et permet à elle seule de fabriquer en continu des kilomètres de voies de chemin de fer. Elle remplace les ouvriers dans un travail difficile. Il y a longtemps, cette tâche a été confiée à des centaines de travailleurs spécialisés, qui risquent souvent leur vie sur les gares de triage, avec énormément d'énergie et de temps. À son bord, elle détient tous les matériaux nécessaires pour construire la ligne ferroviaire. Elle est capable de poser la ballast, les traverses et les rails de façon régulière et précise. La machine RU-800S enlève les anciennes voies abîmées, change les traverses en béton et boulonne le tout automatiquement. Chaque heure, 200 mètres de nouvelles voies peuvent être remplacées. Il faut généralement 2 km de construction et de travail à la machine avant de devoir être réapprovisionné. De plus, les nouveaux rails métalliques disposés sur les côtés des anciens et rouillés seront remplacés grâce à l'utilisation d'un système de rouleaux. Cela signifie que si la machine fonctionnait pendant un an, elle pourrait certainement réparer la ligne Paris-Bruxelles. Sa longueur incroyable dépasse celle de la pyramide de Gizeh. Elle fait certes partie des machines les plus étranges de ce top, mais elle n'en reste pas moins extrêmement pratique pour les ouvriers et impressionne par la qualité de son travail. On continue cette sélection en parlant véhicules et plus particulièrement extraction de matériaux. Les méthodes manuelles traditionnelles d'élimination des matériaux des véhicules en fin de vie peuvent être exigeantes en main-d'œuvre et coûteuses pour les entreprises. Une grande partie des matériaux à valeur ajoutée sont laissés pour compte. Le démonteur perd donc un grand potentiel de profit. Le VRS 200 permet de fixer le véhicule pour permettre au grappin intégré de retirer systématiquement les matériaux de valeur de la carrosserie des véhicules. Les cylindres hydrauliques haute puissance permettent à l'opérateur d'utiliser les lames pour séparer les composants en aluminium et en acier alliés du bloc moteur avec précision et facilité. Le VRS 200 allie puissance et dextérité grâce à son grappin avec une forme élancée. Il permet une ligne de vue ininterrompue entre l'opérateur et le véhicule pour plus de précision et de maniabilité. Le VSR 200 dispose de la puissance nécessaire pour disséquer un véhicule rapidement et sans effort, tout en laissant la coque du véhicule de faible valeur de côté. Et en offrant une valeur ajoutée de l'acier lourd pour exploiter le maximum de profit du véhicule en fin de vie. Utiliser l'outil multifonction sur les pattes de serrage VRS pour retirer les fiches indésirables du faisceau de câbles, ne laissant que le câblage de grande valeur à recycler. Les lames horizontales sont utilisées pour séparer la tête du moteur du bloc, tandis que les plus petites lames verticales sont spécialement conçues pour séparer la boîte de vitesse du moteur. Suffisamment robustes pour manipuler des matériaux lourds, les mâchoires agiles du grappin permettent de retirer facilement les faisceaux de câbles, les démarreurs et les alternateurs. Avec sa maniabilité et son design particulier, le VRS 200 fait partie des machines étranges qui nous impressionnent par la façon dont elles fonctionnent, mais aussi par sa taille et son côté robuste qui ressemble aux machines de guerre que l'on voit dans les films. La dernière machine de cette vidéo est totalement différente de celle présentée jusqu'ici. Elle est plus petite et travaille dans un environnement complètement différent. En effet, le Solarino est la toute première machine de nettoyage de plage télécommandée et capable de se déplacer sur tout type de terrain. Sur des terrains secs, sablonneux et humides pour éliminer les déchets et autres corps étrangers du sable. Entièrement électrique, le nettoyeur Solarino est alimenté par des batteries gel.
Il peut également utiliser l'énergie solaire, silencieux, précis et robuste. Le Solarino offre une solution confortable et écologique pour nettoyer les plages. Il est robuste car le châssis et le train de roulement sont non seulement protégés par la peinture, mais également entièrement galvanisés à chaud. Le tamis mécanique vibrant du Solarino est silencieux et précis. Ses paramètres de fonctionnement sont totalement configurables à l'aide de l'émetteur à distance. Il n'utilise pas de moteur à combustion ou de système hydraulique. Vous pouvez facilement déconnecter le tamis à sable arrière et connecter le râteau à sable en quelques minutes et sans effort. Le Solarino est équipé d'un bras arrière pivotant puissant et d'un crochet de remorquage qui retire toutes les algues et déchets en utilisant le puissant râteau arrière. Ces chenilles de haute qualité intégrées offrent une adhérence au sol, même sur les terrains humides et sablonneux. Son train de roulement est basé sur des chenilles en caoutchouc 100% naturel. Le robot Solarino Beach Cleaner n'est pas seulement une machine de nettoyage de plage, mais aussi un véritable camion robuste et électrique avec la puissance d'un tracteur. Et vous pouvez choisir de l'utiliser pour une grande variété d'applications. Le tout avec cette machine compacte qui paraît petite mais qui répond quand même aux attentes. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo high-tech. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un like si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également vous abonner pour voir ou revoir toutes nos vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo high-tech. Prenez soin de vous, bye!